pour votre information et votre actualité. On suit une image. Bien voilà, c'est donc le frère pasteur Gassi Ange Moussassa qui annonce déjà la sortie de son album. Vous pouvez les retrouver au niveau de Victoire, Maison Cardia Production. Cet album donc vendu, un album qui contient 8 titres. Eh bien, ces groupes est en train de faire une musique purement gospel. Donc, c'est les groupes Les Délégués de Dieu, donc de l'église L'Œil de Dieu. Ils vont continuer donc dans cette émission à pouvoir vous donner toutes les informations par rapport à leur groupe. Félix Oisekoi et son groupe Cultura Payvi sont arrivés à Kinshasa le jeudi dernier. L'artiste prévoit déjà une série de productions en guise de retour sur scène ici à Kinshasa. Donc les informations dans nos prochains numéros. Lexus Legal est rentré à Kinshasa depuis le vendredi après avoir fait un concert au Tchad et une conférence de presse en Éthiopie. L'artiste a donc rassuré que, sauf imprévu, son album sort le mardi 30 juin prochain. Nambi La Panthère, artiste musicien congolais, se trouve lui à Brazzaville où il est en plein tournage des clips de son album Fier des Lettres qui sortira bientôt. Nambi ne confirme pas la date de la sortie de son album. La troisième édition du FIET, le Festival International des Étoiles, a connu la participation de beaucoup d'artistes musiciens qui sont venus de quatre coins du continent africain. Et donc pour l'ouverture, on a connu la participation de Mewei qui nous était arrivé de Côte d'Ivoire, et à Salif Keïta de Mali, Cheb Tari qui nous est venu, lui, de l'Algérie. Et beaucoup d'autres musiciens qui nous sont venus, n'est-ce pas, d'Afrique, tels que Andjea, lui qui nous est venu de Cameroun, beaucoup d'autres musiciens. Donc hier, le maquis de GB a été pulvérisé par une série de productions. On a retrouvé les beaux gosses de Lubumbashi. Et on a aussi, dans la même ambiance, un groupe qui a retenu l'attention du grand public, c'est donc au plus 10, c'est Léo Scram, qui s'est déchaîné sur la scène, et Mewei qui a confirmé qu'il est une star africaine, le Karmapa, qui nous a offert une série de rumba avec Tania Cruz, et aussi Fally Ipupa qui est venu boucler la boucle. C'était une fête totale hier au Maquis de GB. Le rendez-vous est pris pour tout de suite, donc vous pouvez déjà passer à ce niveau, vivre l'exposition au niveau du village culturel, parce que la troisième édition du Festival des Étoiles, donc Intention des Étoiles, continue son bon nombre de chemins avec aujourd'hui une série de spectacles où on aura retrouvé beaucoup d'artistes. Manda Chante qui sera aujourd'hui sur scène, Lacoste Muketonga, beaucoup d'autres artistes seront aujourd'hui pour pouvoir mettre de l'ambiance de ces côtés-là. Nous sommes au Maquis de GB. Tout à l'heure, il faut aller pour visiter les villages culturels où exposent beaucoup d'artistes congolais, entre autres le styliste modéliste congolais Gabi
Ramazani Amundala, Gabriel Ba, bien signé, donc il est déjà là avec tous ses produits qu'il expose pour pouvoir permettre de pouvoir entrer en contact avec lui et pourquoi pas acheter. Il y a aussi l'autre artiste styliste concepteur, donc JL Mokoto, lui aussi qui expose à ces niveaux-là. Beaucoup d'autres artistes sont ici à Kinshasa pour pouvoir devoir mettre un peu d'ambiance. C'est un début de semaine, je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec notre ami qui veut nous voir. Lui, c'est Tripacker. Tripacker vient pour nous annoncer la sortie prochaine d'un maxi single qu'il a baptisé 5M. Bonjour et bon dimanche, Tripacker. Comment tu vas? Très bien. Alors, Tripacker, je ne sais pas, où est le message, Moko? D'abord, Batman Meba, Tripacker, où ça la genre à musique, Nini, concrètement? Tripacker, on a la juste la musique, non, Kaboula, on a la musique, non, chanteur. Donc, c'est la musique, Nyon, ça. Ouais. Alors, tu es un mieux parce que, quand même, Olivier a annoncé, là-bas, nombreux, mais le monde, on a vu sur le nom la section musique, on a annoncé, autour de déjà, Maxi Single Moko. Ouais. Il vous a combien de titres? Trois titres. Trois titres. Et puis au baptisant 5M. 5M. Et le mot là-bas, 5M. 5M, mais c'est très fort. 5M, mais alors on a 5 minutes, en tout cas 5 minutes. Il écoute quoi, bah au camp, environ 5 minutes à pombe. Bah prétendra 5 minutes à au camp. En 5M, on les a titres phares. Ouais. Il y a l'album Nayo, Maxi Single Nayo. Ouais. Après, aux ans, on a quel titre? On a 6K. 6K, qui veut dire. 6K, comment on dit? Ah, non, 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 le palmier. Le palmier? Ouais. Ah, pourquoi chanter le palmier? Le palmier, naïm bien on a dit bien on a vient dans mon papy Jemelas. Oui. Le palmier zali au moni mbila. Tant que zoko la tabakati kola kaka. Tant que koya kitika bakoko. Voilà. Et puis en plus mbila, c'est presque toutes les parties qui sont consommées, bah, dans la racine, ouais. Si dans le marango, maï non, tout ça m'assemble. Ndika, donc. Tout. Merci Tripacker, c'est très merci gentil. Merci. Voilà, alors tu vas annoncer toi-même les grands événements que tu prépares pour le Nobo Meloman et peut-être conclure ta présence sur ces plateaux. Oui, merci à Jacky. Donc la ligne vraiment donc plus, passage dans un écran le Zali. On a besoin de bateau. Bateau, il y a un bon œuvre. Par exemple, je viens dans ma Chikolobanda, il y a Papi Jemelas, Marie la grande dame de la ville. Vraiment, il y a plus de pendant un appel à Batou Contact. Ou il y a un Tripacker qui est au poids. 089 64 50 350. Ça, pendant moi, comprends ça bien. Oui. 089 64 50 350. Merci à Jacky. Voilà, merci beaucoup Tripacker, on te retrouve prochainement avec ton maxi single 5M, l'artiste qui ne demande que 5 petites minutes au Méloman pour pouvoir écouter, n'est-ce pas, la diversité et la musique qu'il va amener au grand peuple congolais, aussi à tous ceux qui nous suivent à travers les mondes. Nous allons rappeler, mesdames et messieurs, que le mardi prochain, ce sera le 30 juin, nous l'avions dit dans cette émission, la RDC, la République démocratique du Congo, sous la haute direction de son excellence, monsieur Joseph Kabila Kabengé, président de la République, va fêter 49 ans d'existence depuis l'indépendance. Mesdames et messieurs, c'est une grande fête qui s'annonce parce que presque 50 ans, jour pour jour, la RDC devra fêter. La fête d'indépendance de la RDC s'annonce très très chaleureuse parce que déjà le mardi 30 juin prochain, nous aurons une grande fête, donc un artiste comédien, Kabamba Masasi, qui fêtera avec sa troupe arc-en-ciel 3 années d'existence et lui-même, Masasi Kabamba Cartouche, va fêter 30 ans de carrière. 1979 et 2009. Ce sera donc le 30 juin prochain dans la salle du zoo ici à Kinshasa à partir des 16h. L'artiste est notre invité, nous allons le recevoir tout à l'heure. L'autre fête le mardi 30 juin, c'est donc notre pays qui aura 49 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Werrason et Wenge Musique à Maisomère seront eux au niveau de la province du Bas-Congo chez Batimbacha et Deon Koussou. Ils seront au stade Lumumba de Matadi pour fêter cette fête de l'indépendance. Au même moment, le 30 juin, mesdames et messieurs, Lubumbashi de Moïse Katumbi Chapwe devra vibrer au son du quartier latin international de Kofi Olomide. Lubumbashi, ce sera donc sur la place de la Poste. Toujours au niveau de cette grande fête d'actualité d'indépendance, retenez qu'à Kinshasa, la fête sera totale au maquis de Gébé, la clôture de la 3e édition du Festival des Étoiles, du Festival International des Étoiles, avec Zaïko Langalanga et Josar Nyokalungu, et la participation de beaucoup d'autres étoiles, venues de quatre coins du continent africain.
Et donc, ils viendront tous ensemble comme un seul homme chanter Indépendance Tcha-Tcha avec le peuple congolais. Nous allons continuer l'émission, mesdames et messieurs, pour vous rappeler que Michael Jackson n'est plus section musique. Une chronique spécialisée en musique de la chaîne de télévision Digital Congo a pensé à cet artiste. On va suivre les portraits de Michael Jackson et puis vous suivrez un clip exceptionnel, Smooth Criminel. Suivons ces images, Michael Jackson qui s'exprime. Le roi de la pop, le Mogan, l'artiste qui a changé l'histoire de la musique. Plus de 750 millions de disques vendus, des centaines de concerts complets, 40 ans de carrière. Le 29 août 1958, le monde accueille le plus grand entertainer de tous les temps, Michael Joseph Jackson. Le 25 d'une nombre incalculable de personnes à mort et lui fait son dernier au revoir.